la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Jean 20, verset 22. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint ». Dieu désire que nous vivions une vie de pardon. Nous devons choisir de suivre Dieu et de pardonner chaque offense qui est faite envers nous, de la plus petite à la plus grande, peu importe de quelle façon le diable essaye d'empoisonner nos pensées par l'amertume. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous le fassions sans son aide. Vous ne pouvez pas pardonner sans la puissance du Saint-Esprit. C'est trop difficile de le faire par vous-même, mais si vous le désirez vraiment, il enverra son esprit pour vous aider et vous rendre capable de le faire. Vous devez juste lui demander humblement son aide. Dans Jean 20, verset 22, Jésus a soufflé sur ses disciples et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Dans l'enseignement qui suit ce passage, Jésus demande de pardonner aux gens. Il vous dit la même chose aujourd'hui. Il veut vous remplir du Saint-Esprit et vous rendre capable de pardonner. Mais vous devez demander son esprit et le recevoir. Si vous le souhaitez, Dieu peut vous donner sa puissance pour vous débarrasser de toute amertume et rancune dans votre cœur. Demandez à Dieu d'envoyer le souffle du Saint-Esprit sur vous, afin que vous puissiez pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Prions ensemble. Seigneur, je désire recevoir ton aide. Souffle sur moi et envoie ton esprit. Je choisis de recevoir la puissance de ton Saint-Esprit et de pardonner. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr/méditation. Passez une bonne journée et à très bientôt.